Monsieur Galeroni, on vous voit tout sourire devant Norris Catol. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ce grand cheval? Ça me rappelle que de bons souvenirs. C'est un merveilleux cheval. J'ai entraîné de très très bons chevaux, mais lui, c'est le meilleur cheval que j'ai entraîné. Pétri de qualité, beaucoup de générosité, puis un pédigré extraordinaire. C'est une famille qui gagne. Et aussi bien 2 ans classiques que 3 ans, aussi bien en haie qu'en cible, c'est toute la famille et ce sont des gagnants de groupe. Voilà. Encore vous voulez, vous voulez gagner des courses, il faut aller à Norris Catol. Et encore un gagnant de groupe l'autre jour, puisque son frère avait gagné, on en parlait tout à l'heure avec Aliette Fourien, a gagné encore un groupe 3, c'est non 2 de là. Tout à fait, ils ont la même maman et son demi-frère, c'est Nickname, et qui est le propre frère de Nondla. Voilà, je vous dis, c'est toute une famille. Alors, Nondla, il a couru et gagné en steeple. Lui, il n'a jamais couru en obstacle, il est classique. Et Nickname n'a jamais couru en plat, il est classique. Alors, vous voyez, c'est une famille qui gagne, voilà. On connaît son palmarès par cœur, oui. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment il était très très jeune quand vous l'avez reçu à l'entraînement? Eh bien écoutez, il a toujours eu bon caractère, il a toujours été facile, et quand il travaillait, il avait la particularité des bons chevaux, il était toujours devant. Il voulait être devant, il est dominateur, et quand il était devant, ben, on ne pouvait pas le dépasser. On ne pouvait pas l'arrêter, mais j'espère que ses produits seront comme ça aussi. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on souhaite, et je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Hein. Quand toute la famille est bonne comme ça, il n'y a pas de raison. Hein. Puis c'est un cheval qui est tout neuf, il a très peu couru. Hein. Il a eu juste un petit problème dans le Jockey Club, il a eu une fêlure du canon. Et il n'a pas couru l'Arc de Triomphe parce qu'il s'était fait mal à la bride. Mais vous voyez, tout est rentré dans l'ordre, on ne s'aperçoit de rien. Hein. Il est magnifique, vraiment. Hein. Son plus beau point positif physiquement, selon vous, c'est quoi? Sur le plan physique? Oui. Mais je vais vous dire, c'est l'harmonie, c'est l'ensemble. Il a une magnifique épaule, un très beau passage de sangle, un rein court, une arrière-main, il est très bien membré. Regardez le port de tête qu'il a, il a un œil très expressif. Moi, c'est comme ça que je choisis mes chevaux, et quand je ne les choisis pas parce que je les fais naître, ben, j'ai un coup d'œil général, quoi. Il ne faut pas trop détailler. Voilà, général, il vous plaît ou vous plaît pas? Ben, lui, il me plaît. Et quand ce matin, je suis arrivé, M. Fourien me dit « Ah ben, vous le connaissez ?» Alors j'ai dit « Oui, je le connais, mais c'est quand même plus le même. Il est déjà étalon, là. » Il a bien pris sa première année de monte. Hein. Il a carburé, en plus, en 130 juments. 130 juments et prolifique. Hein. C'est un cheval qui est tout neuf, qui n'a pas souffert, ni moralement, ni physiquement. Et la preuve en est, c'est que sa fertilité parle pour lui. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Merci, Monsieur Galeroni. C'est moi qui vous remercie. Merci.